Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Ben, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, samedi 23 juin 2018. J'organisais un tournoi Dragon Ball Super, ben, comme un petit peu toutes les semaines depuis pas mal de temps maintenant. Le tournoi s'est terminé, donc là on est à une heure ou deux après le tournoi. Et puis je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le deck que j'ai joué aujourd'hui, avec lequel j'ai fait 3e ex aequo avec les deux premiers, donc je suis plutôt assez satisfait. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que je jouais le deck, si c'est pas plus d'ailleurs. Donc je le maîtrise enfin à peu près correctement. Disons que j'évite de faire les erreurs que j'avais fait il y a quelques semaines où j'oubliais de piocher, j'oubliais tout un tas de trucs, bref. Donc je tiens à m'excuser une nouvelle fois parce que c'est encore une vidéo Dragon Ball Super. J'ai pas mal de vidéos en attente, dont la fameuse série de vidéos que je suis en train de vous faire. J'ai pris pas mal de retard, là depuis 15 jours, j'ai pas pu travailler dessus. Donc bah écoutez, désolé, là ça sera une petite vidéo un petit peu à l'arrache, hein, comme d'habitude. Sur mon deck, donc je joue le leader du starter, le Goku, qui a une puissance de 10 000 en normal, 15 000 en éveillé. Lorsque je suis éveillé, si j'ai 5 sources d'énergie ou plus, il gagne 5 000 de puissance à mon tour. Donc avec ce deck-là, on monte assez vite en énergie quand même, avec l'aide des objections, qui me permet de rajouter une deuxième énergie dans le tour où je joue objection. Donc j'arrive assez vite à 5 énergies et donc à 5000 de plus à 20000. Quand il attaque, il pioche. Et il a un effet qui est vraiment très 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 intéressant. Lorsqu'il est en non éveillé, lorsque j'attaque, je peux détaper une énergie bleue. Donc je regagne un mana pour le tour. Et lorsqu'il est éveillé, quand j'attaque, je détape 2 énergies bleues. Donc vous allez voir qu'on peut faire, grâce à cet effet-là, des effets assez intéressants. Alors il est très difficile de vous résumer le deck, enfin toutes les possibilités du deck comme ça à la simple vue des cartes. Il faut vraiment jouer contre plusieurs matchs possibles, il y a l'ordre des cartes dans lequel ça arrive, etc. Enfin voilà, les decks c'est pas de l'autopilot ou de l'autopilot, enfin voilà, vous m'avez compris. Voilà, je pourrais pas tout vous résumer, mais il y a quelques petits trucs sympas à faire que je peux vous expliquer. Alors, pour le leader, c'est ça. Au niveau de mon développement, j'ai 4 bouts en bleu pour piocher. Alors, donc, c'est un deck bleu-vert. Hein. La répartition des cartes bleu et vert est relativement bien faite. J'ai peut-être un tout petit peu plus de vert, mais en gros, j'ai pas de souci pour jouer mes cartes. J'arrive à avoir mes 2 bleus et mes 2 verts qui me permettent de jouer l'intégralité de mes cartes. Donc j'ai 4 bouts bleus qui me font piocher quand il arrive en jeu. J'ai l'équivalent en vert, c'est le Goku, donc ça c'est pour la pioche. J'ai la Bulma pour 1, quand elle arrive en jeu, je vais chercher un Trunk du futur dans mon deck et je l'ajoute à ma main. Donc il y a un triple avantage à cette carte-là. Bon déjà elle coûte pas cher, donc c'est un tour 1 assez sympa. Il y a déjà un premier truc à faire très intéressant, c'est que si vous ne commencez pas, vous jouez une énergie, vous l'engagez, vous jouez Bulma, vous allez chercher dans votre deck, vous prenez ce trunk là du futur, vous le mettez dans votre main, derrière vous attaquez avec votre leader, vous dégagez la ressource que vous venez juste d'utiliser, et derrière si vous avez un bout, et ben hop, vous pouvez le jouer. Donc vous jouez 2 cartes au tour 1, si vous avez une deuxième Bulma, vous la jouez, enfin voilà, vous pouvez faire des trucs assez, ou si vous avez 2 bouts et pas de Bulma, ben, vous jouez 2 bouts au tour 1. Ou alors, si vous n'avez rien, mais que vous avez une contrainte de Whis, bah, vous pouvez garder le mana pour le tour de l'adversaire. Enfin, il y a déjà, dès le tour 1, pas mal de possibilités à faire. Le Trunk du futur que je vais chercher dans mon deck, je peux éventuellement le jouer. C'est une carte quand même très forte. Elle a 20 000 de puissance, triple frappe. Alors, triple frappe, ça peut être dévastateur sur les fins de partie ou quand vous jouez contre du Zamasu. Ou des trucs comme ça, ça peut être assez intéressant. Mais globalement, en fait, je vais chercher cette carte-là avec Bulma pour épurer mon deck et fluidifier et améliorer la qualité de mes futures pioches avec les bouts, Goku, mon leader, avec Kai, le Goten, enfin avec tout ce qui me fait piocher dans le deck, les fous, etc. Et en gros, le Trunk, je le mets en énergie. J'ai 2 Trunks dans le jeu, 3 Bulma, et les 2 énergies vertes dont j'ai besoin pour faire tourner le deck, bah, c'est en fait les 2 Trunks.
Du coup, toutes les autres cartes vertes de mon deck, ça sera des cartes actives que je pourrai jouer. Ça, c'est dans l'idéal. Des fois, ça se passe mal. Je suis obligé de sacrifier en énergie soit des Goku, soit des Kale ou des Gohan. Tout dépend un petit peu de comment tourne la partie. Généralement, j'évite de sacrifier des Gotenks. Mais voilà, je sacrifie des Gohan si en face il m'a mis des bloqueurs à 20 000 ou là Gohan il a 15 000, bah, ça passe plus. Et moi généralement j'évite de cramer trop de combos entre guillemets inutilement. Je préfère laisser l'adversaire cramer ses cartes et garder moi tout en main. J'ai énormément de cartes pour les derniers tours qui sont, enfin, ou le dernier tour qui est assez dévastateur. Donc ça, c'est une partie de mon développement. Boo, Goku, Bulma qui va chercher un trunk en énergie. J'ai Piccolo, là, super combo. Bon, bah vous la connaissez, si vous avez 4 points de vie ou moins, ça vous rajoute plus 10 000. Vu, piocher, ça aussi, c'est un piocheur. Alors, j'en ai mis que 3. Tout le monde va vous dire 4. Moi, bien souvent, quand j'en mets 4, j'en ai toujours, entre guillemets, en trop, en début de partie. Et bah, j'en viens à les énergiser parce que le temps que j'arrive à 4 points de vie ou moins, c'est déjà trop tard en fait, j'ai déjà sorti ou gagné ou perdu, enfin plus souvent gagné d'ailleurs que perdu, sinon si je suis en mauvaise posture, souvent ma quatrième est assez bénéfique. Mais avec le nombre de parties que j'ai fait, je suis arrivé à la conclusion que 3 c'est assez parce que je peux m'éveiller en fait tout seul sans que l'adversaire me tape. Donc je joue les résultats d'entraînement parce que m'éveiller c'est ultra important comme tous les leaders hein, de toute façon. Mais voilà, s'éveiller avec celui-là, ça peut, c'est vraiment très 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 puissant. Les objections pour accélérer mes sorties face à des decks qui vont très vite, comme le Beerus Whis, qui monte très très vite en énergie contre du rouge, enfin bref, contre n'importe quel deck finalement, essayez de jouer plus vite que votre adversaire, ça peut être bénéfique. Les haricots magiques que je joue principalement en défense ou quelquefois dans mes tours d'attaque pour regagner de l'énergie et être sûr qu'une attaque passe. Donc voilà, globalement j'en ai que 3 parce que les premières attaques je les laisse passer, ça me permet de m'éveiller. Et sur les derniers tours de finish, j'essaye de survivre. Et 3 ça suffit. Les résultats d'entraînement, 3 ça suffit, c'est au cas où l'adversaire ne m'attaque pas. Et les contraintes de Whis, c'est un petit peu la même raison que pour les haricots magiques. 3 ça suffit parce que les premiers tours j'encaisse, je ne contre pas et je compte vraiment que les grosses attaques en double, en triple frappe à la fin, les attaques un petit peu sensibles. Au niveau de ma force de frappe, c'est tout le reste. Donc comme je l'ai dit, les trunks peuvent être joués en force de frappe, mais c'est pas le plus important. Le Gohan, je le joue 90% du temps en combo, donc pour 1 il rajoute 10 000. Ça permet soit de sauver un personnage qui est en train de se faire attaquer, ou soit d'être sûr qu'une de mes attaques passe, mais bien souvent je le joue en défense. Ensuite il reste en jeu, ça me fait un perso quand même à 15 000. Donc 15 000 ça permet d'attaquer n'importe quel leader. Et ensuite ma grosse force de frappe, c'est tout ce que vous voyez sur la première ligne. Le fou, maintenant, il est très très connu, il a Overrealm 7, c'est-à-dire que vous ne pouvez le jouer que s'il y a au moins 7 cartes dans votre poubelle. Il se joue pour 1, c'est un 25 000 double frappe pour 1, quand il arrive en jeu, vous piochez 2, c'est ignoble. Quand vous le jouez, vous retirez de la partie tout votre défausse, et à la fin du tour où il a été joué, lui-même est défaussé. Donc voilà, c'est un gros finisher de la mort. Ensuite, j'ai 12 cartes, 4 x 3, c'est des cartes qui ont un effet de jeu similaire, c'est-à-dire que ça pète une carte quand ça arrive en jeu. Donc j'ai 12 anti-bêtes. J'en ai un 20 000 double frappe, c'est Beerus. Quand il a 5 énergies ou plus, je tue une bête. Il y a la Kale, quand elle arrive en jeu, donc je suis obligé de sacrifier une bête. Donc bien souvent, je sacrifie Boo, Goku ou Bulma, et éventuellement un Gohan, ou même un fou qui a déjà attaqué, puisque de toute façon il va être retiré de la partie, donc autant le sacrifier. Et Kale, quand elle est là, donc c'est une 20 000 critique, et si j'ai 5 cartes ou moins, je pioche, donc encore une autre source de pioche, c'est énorme. Le Gohan, c'est pareil, c'est un anti-bête quand il arrive en jeu, il a 15 000 coups critiques. Alors je vais peut-être redescendre à 3 Gohan au lieu de 4, parce que je me suis rendu compte que bien souvent, j'ai tellement de cartes de destruction et des cartes fortes que un quatrième c'est peut-être de trop. Et puis quand on commence à me mettre des 20 000 bloqueurs en face, bien souvent 15 000 je passe pas. Et comme je vous disais, j'ai pas envie de cramer mes combos de ma main. Donc mais c'est une carte qui est exceptionnelle. Hein. Vraiment pour 4 mana, 15 000 coups critiques qui détruit une bête, c'est vraiment fort.
Donc j'ai 12 anti-bet, même si vous jouez face à un freezer qui joue soif de sang glacial, bah, il va vous contrer 4 fois, et puis derrière vous avez encore 8 anti-bet. Et le Gotenk pour 5, 25 000 double frappe. Quand il arrive en jeu, vous dégagez 2 ressources, donc souvent je dégage 2 ressources vertes. Quand il arrive en jeu, je pioche une carte, donc c'est ok, il coûte 5. Mais enfin, tout ce qu'il fait, c'est juste énorme. Donc vous le jouez pour 5, il arrive en jeu, vous détapez 2 ressources, il vous en reste 3. Vous attaquez avec votre leader, vous détapez 2 ressources bleues, il vous en reste 4. Donc vous imaginez, vous avez déjà joué ça, il vous reste encore 4 manas, et 4 manas, bah, vous pouvez jouer l'un des 3 anti-bêtes, voire même éventuellement le trunk triple frappe. Donc en gros, vous jouez 2 tours en 1, c'est juste assez démentiel. Donc voilà, il y a énormément de synergie entre le fait de dégager des ressources, de rejouer, derrière vous jouez fou pour un, enfin vous faites des tours à n'en plus finir, vous piochez énormément de cartes, et j'ai énormément pris de plaisir à jouer ce deck. Franchement, ça roule tout seul, je vous conseille de le tester, c'est vraiment très très bien. Le side, comme d'habitude, c'est un petit peu personnel. J'ai mis 2 Pilaf, 3 Yajiro B, 2 Vegeta Puissance Maximum, qui est une mini Kale, en gros, pour 3. Ça permet d'arriver un tour plus tôt et de faire le ménage avec les petits bloqueurs, éventuellement. Un Jaco, 2 C16, une attaque surprise, un autre Sangohan, un autre Piccolo, une autre contrainte de Whis et un autre Haricot Magique. Bien souvent, j'essaye de rentrer ça pour vraiment face à des decks trop agressifs ou sur la fin de partie. Enfin, voilà, bon. Moi, je suis pas. J'adore le concept du side, mais je ne suis pas très très fort pour sider. Donc, bien souvent, je laisse mon deck de base. Voilou, voilou. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut, salut tout le monde.